Si dans ton business, tu ne progresses pas, tu es un homme mort. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, et j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le... On est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche de notification. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui n'ont pour seul but que de te faire grandir encore et encore. Si tout ceci est clair pour toi, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pour que tu puisses bien comprendre le fait que si tu ne crois pas, si tu ne te développes pas, tu es mort, je vais te raconter une petite histoire. Récemment, il y a un membre de mon équipe qui me contacte et me dit « Valère, bon, tu sais, l'année dernière, c'était 2022, vraiment, je te remercie pour tout ce que tu as pu nous apporter, pour tout ce que tu m'as apporté, j'ai beaucoup appris à tes côtés, tu m'as même permis de gagner beaucoup de marché, de gagner même beaucoup d'argent, franchement, merci beaucoup. En tant qu'étudiant, j'ai gagné des sommes plutôt intéressantes. Mais pour 2023, moi, sincèrement, j'ai des projets, des ambitions et les tarifs qu'on avait ne me suffisent plus. Il faut qu'on essaye de voir comment revoir cela à la hausse. Parce que même avec l'inflation, c'est compliqué. Et il travaille très bien. Et j'ai compris son message. Et j'étais préparé. Du coup, on s'est arrangé, on a un peu négocié pour voir comment voir tout cela. Et il a fallu justement qu'on revalorise l'argent qu'il gagne. Je ne sais pas si tu captes un peu. Imagine que dans cette dynamique-là, nous, dans Argent Livre, on n'est pas dans un processus de croissance. Chercher à atteindre des objectifs plus élevés. Chercher à augmenter les chiffres d'affaires. Chercher à relever des challenges plus élevés, qu'est-ce qui se passe? Soit on perd un élément aussi important que lui et aussi bon, soit ben nous, on se retrouve en train de regresser. C'est aussi simple que ça. Donc, sache que si dans ton business, tu décides, tu refuses de croître. Sache que dans ton équipe, il y a des gens qui ont envie de croître, qui ont envie d'accomplir des choses qui seront plus intéressantes. Et si ce que tu leur proposes n'est plus assez stimulant pour eux, ils iront voir ailleurs, forcément. Et ça se passe dans toutes les entreprises. Et si ce n'est pas quelqu'un de ton équipe, ce n'est pas les membres de ton équipe qui s'en vont, en général, sont les meilleurs, parce que les meilleurs veulent être parmi les meilleurs, ils veulent toujours level up. Voilà pourquoi tu dois toujours chercher à challenger les membres de ton équipe. Tu dois toujours leur donner des challenges nouveaux, sinon ils vont s'ennuyer. Aller là où les attentes sont plus élevées. Si ce n'est pas quelqu'un de ton équipe, ça sera la société. Parce que nous sommes dans un monde inflationniste. Tu as vu comment les prix ont flambé. Imaginons que toi, dans ton business, tu n'es pas dans une logique de croissance. Qu'est-ce qui va se passer? Tu regresses. Voilà pourquoi la formation, c'est fondamental. Voilà pourquoi il faut toujours chercher à s'adapter. Parce qu'il y a une seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Oui, et quand tu as compris ça, tu comprends que tu dois tout le temps te former pour continuer à t'adapter et à avancer. Voilà, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui est en train d'atteindre des niveaux de plus en plus puissants. Il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur travail. Mais ceux qui ne vont pas s'adapter au changement, ils vont disparaître. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Est-ce que tu as remarqué que dans toutes les entreprises au monde qui se respectent, il y a toujours un département qu'on appelle recherche et développement? À ton avis, c'est pourquoi? C'est parce qu'on veut améliorer le produit, on veut améliorer le process et donc améliorer le rendement. C'est pas un hasard. Parce qu'ils ont compris que nous sommes dans un monde qui est très dynamique, ça bouge très vite, les choses vont très vite. Voilà pourquoi je dois toujours te mettre à jour. Tu dois toujours avoir envie de progresser. Et c'est pour ça que je dis, au terme de chaque année, tu dois faire deux choses. Première chose, tu dois faire le bilan de l'année précédente. C'est fondamental pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, pour améliorer ce qui n'a pas marché. Et tu dois te fixer de nouveaux objectifs beaucoup plus élevés pour l'année d'après. C'est fondamental de faire ce travail. C'est fondamental. Et malheureusement, je vois des gens qui ne comprennent même pas déjà comment se fixer des objectifs, qui ne comprennent même pas la puissance des objectifs. Du coup, ils vivent seulement pour vivre. Chaque fin d'année, tu dois te fixer des objectifs. Tu dois savoir comment les mesurer, savoir comment les améliorer chaque année. Sinon, c'est le début de la fin pour ton business. C'est de ça qu'il s'agit. Et au fil du temps, peut-être que ça n'arrive pas encore, mais sache qu'au fil du temps, tu vas commencer à détester les nouvelles années. Quand tu es en business, tu apprécies la fin, mais les nouvelles années, tu les détestes. Je vais t'expliquer. Si tu n'es pas encore arrivé à cette étape-là, c'est que tu as encore du travail à faire. Tu vas apprécier la fin d'année parce qu'en général, j'ai envie de dire, un tiers à deux tiers de ton chiffre d'affaires, tu le feras pendant le dernier trimestre. Parce qu'en général, dans ce trimestre-là, les gens sortent plus facilement les cartes bleues. Pendant cette période-là, vraiment, ton chiffre d'affaires va croître. Mais puisque quand tu finis l'année, tu fais le bilan, tu te redéfinis de nouveaux objectifs pour l'année d'après. Et qui dit nouveaux objectifs, dit nouvelle stratégie. Et qui dit nouvelle stratégie pour la nouvelle année, dit forcément testing. Et qui dit testing, dit inconnu, dit inconfort, d'une période pendant laquelle ça va être compliqué. Et c'est pendant cette période-là, en général, c'est les trois premiers mois qu'il va falloir que tu fasses preuve de résilience, qu'il va falloir que tu fasses preuve d'optimisme. Oui, parce qu'en général, pendant cette période, tu testes, c'est compliqué, ça marche pas et tout. Si tu n'as pas le bon mindset, tu vas abandonner. Oui, pourtant, il faut juste persévérer pendant un certain temps. Après, quand les résultats arrivent, tu quittes. Je le dis parce que ça fait 3 ans qu'on vit cela. Je commence à comprendre pourquoi est-ce que les aînés ont tendance à dire que
il faut 5 à 7 ans. Je commence à comprendre. Voilà pourquoi je tiens à partager ça avec toi. Donc retiens bien, si tu dois croître, c'est fondamental. Cette vidéo ne va pas être plus longue que ça. Je tiens à préciser que jusqu'à dimanche prochain, nous avons 8 livres écrits par les auteurs femmes. Oui, parce que c'est la fête de la femme le 8 mars. On a décidé de mettre les femmes en avance qui sont en promo. Et ces livres sont au prix de 19 euros au lieu de 30 euros ou 7000 francs au lieu de 10 000 francs. En Afrique, malheureusement, cette promo n'est valable que dans 3 pays pour des raisons de logistique. Cameroun, Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Cela étant dit, cette petite capsule vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à la partager massivement avec tes frères, tes amis, entrepreneurs qui démarrent afin que ça puisse les rassurer. Cela étant dit, c'était Valère Belias, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Kano. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.